et aujourd'hui me revoici pour une nouvelle vidéo. Celle-ci alors elle sera sur mes trouvailles de vide-grenier. J'ai fait un petit vide-grenier ce matin, tranquille, et du coup j'ai vraiment trouvé mais énormément de cartes, j'ai trouvé tout ça. Donc il y en a à peu près, il y en a plus d'une cinquantaine. Et je suis vraiment contente, j'ai encore fait une belle découverte, j'ai trouvé une carte ultra rare, donc que vous verrez tout à la fin. Donc c'est parti! Alors voici Granivol de l'extension Neo Discovery, Trompignon de Tempête Plasma, Milobelus de Primochoc, Machoke d'Explosion Plasma, Fantominus de Créateur de Légende, Tropius de Trésor Mystérieux, Salamèche de Gardien de Cristal. Il est trop mignon, franchement, je l'adore. Il a vraiment une magnifique petite bouille. Hérissante de Force Cachée. Lui aussi, il est trop mignon. Électrode de Glaciation Plasma. Elendel de X et Y. Un, deux, trois. Méditica de Diamant et Perle. Onyglali de Légende Oubliée. Galifeu de Fantômolon. Rhinocorne de Vainqueur Suprême. Loupio de Gardien du Pouvoir. Boustiflore de Rougefeu et Verfeuille. Musiole de Espèce Delta. Tilton de Triomphe. Magnifique Tilton d'ailleurs. Il est vraiment très beau. C'est un de mes Pokémon favoris. Détecteur de Triomphe également. Avec un petit Mew ici. Il est trop chou. Medina de Team Aqua vs Team Magma. Malos de Team Magma de Team Aqua vs Team Magma. Tartare de Point Furieux en holographique. Énergie, alors c'est Phyto-Énergie de Point Furieux. Lockpin d'Éveil des Légendes. Chutiflore d'Éveil des Légendes aussi. Franchement, je le kiffe. C'est rare pourtant que j'aime un Chutiflore, mais alors lui, dès que j'ai vu la pose qu'il a mais sur la photo, mais je me suis dit, oh, mais il me la faut cette carte. Franchement, mais elle est épique, moitié quoi. C'est moitié s'il fait une déclaration d'amour ou un truc dans le genre. Il est vraiment super. Ocelot d'Éveil des Légendes également. Pachirisu de Duel au Sommet. Linéon de Duel au Sommet également. Dodrio d'Indomptable. Hermure d'Indomptable. Aqualie d'Indomptable. Bon, bah lui, c'est mon Pokémon favori. Je le préfère à tous les autres Pokémon de toute façon rares. Donc, oui, je le préfère à Mewtwo. Oui, j'ose le dire. Mais c'est vraiment ma boule d'écaille que j'aime. C'est un coup de foudre. La première génération, et c'est lui qui restera dans mon cœur. Camerupt de Frontières Franchies en reverse. Voltorb de Frontières Franchies. Togepi de Frontières Franchies également. Pangoléon d'Aube Majestueuse. Intoxicateur d'Aube Majestueuse. Énergie Aube Majestueuse également. Alors c'est appel à l'énergie. Un peu spécial. Milocric de Platine. Fenard de Platine également. Ah, il est super. Il est franchement magnifique. Graïna de Platine aussi. Il est super aussi. Dinoclier de Platine. Mangriffe de Platine aussi. Fragilady de Noir et Blanc. Mateloutre de Noir et Blanc. Si, c'est ça. Bargantua de Noir et Blanc. Désolée. Megavolt de Noir et Blanc. Ectoplasma Reverse de Tempête. Alors, Tempête, c'est une des extensions qui sont l'une des plus dures à avoir. Enfin, qu'on trouve rarement dans les vides-greniers. Donc, c'est vraiment intéressant dès qu'on tombe dessus. Enfin, dès que je tombe dessus, franchement, j'ai l'habitude de toutes les prendre quasiment. Électrode de Tempête. Magneton de Tempête. Cochignon de Tempête. Et du coup,
Ah, j'ai trouvé un adorable petit Corbos X. Ouais, il est vraiment superbe. Je vais vous le sortir parce que avec le reflet, c'est pas pratique. Mais il est vraiment magnifique. Il est en bon état en plus. Donc ça fait plaisir quand on tombe sur des cartes en bon état. C'est vraiment super de tomber sur des ultra rares qui sont pas abîmés ni rien. Où il y a juste quelques micro-rayures, mais c'est vraiment super. Donc je suis contente. La dernière fois, j'étais tombée sur le Pikachu noir et blanc secrète. Et là, cette semaine, je suis tombée sur Corboss niveau X. Donc c'est vraiment des. En ce moment, j'ai une énorme chance. Je tombe vraiment sur des cartes, mais superbes. Vraiment, j'ai pas d'autre mot à dire. Elles sont magnifiques. Donc voilà pour cette vidéo qui aura été peut-être un peu rapide d'ailleurs. Mais du coup, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, à aimer ma page, à vous abonner. N'hésitez surtout pas si vous voulez me suivre, sachant que je ferai des petits concours quand j'arriverai à 20 abonnés, 30, 50, enfin peut-être pas à chaque fois, mais assez souvent, vous inquiétez pas. Et voilà. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. J'essaye de m'améliorer, donc n'hésitez pas. Et pour les personnes qui connaissent pas grand-chose aux cartes, n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo il y a récemment sur comment reconnaître une carte rare d'une commune, une ultra rare d'une secrète, etc. J'ai eu beaucoup de retours positifs, donc je suppose qu'elle est bien faite. Franchement, allez la voir si ça peut vous aider. Et pour les personnes, du coup, si vous êtes intéressés pour les fiches que j'avais faites, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Je pourrais vous les envoyer, du coup, facilement. Ça me fera plaisir du coup, d'échanger avec vous. Surtout que c'est une petite astuce que j'ai faite moi-même. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui le font. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir que le travail que je fais plaise au moins à des personnes. Donc, voilà, je vous souhaite un bon week-end. Et à plus. Et à bientôt pour la